un public au rendez-vous. Deux formations prétendent découdre sur terrain neutre. Cette finale entre 22-7-0 et National Basket à Wenge a tenu toutes ses promesses. Clash Time ne pouvant plus prendre part aux compétitions de la Ligue de basket de l'Estuaire, les finalistes de la Coupe de la Ligue et du championnat provincial n'avaient qu'une envie. Rafler le premier titre de la saison, la Supercoupe de l'Estuaire. Une rencontre prise par le bon goût par NBA qui va asphyxier son adversaire durant quasiment trois quarts temps et même mener souvent de plus de 10 points, le 7-0 va recoller au score avant de changer la donne dans les deux dernières minutes pour une victoire finale 62-59. Effectivement, le Wenge est désormais le vainqueur, mais c'est une place dans le passé qu'au Wenge a toujours occupée. Et aujourd'hui, on essaie de renouer avec les victoires. Au 22 est synonyme de victoire, au 22 est synonyme de gagnant. Donc, nous sommes champions aujourd'hui et on espère récidiver pour tout ce qui est pour les autres compétitions, le championnat et la Coupe du Gabon. Une super Coupe de l'Estuaire annonciatrice d'une saison de tous les défis. Le bilan de la saison, il est là. On a vu un bon niveau de jeu de nos deux équipes. Il y a eu beaucoup de remaniements dans les différents effectifs. Et nous pensons que c'est le travail de la saison dernière qui s'est démontré encore sur le terrain. Voilà. Ça annonce de belles couleurs pour la saison à venir, un bon niveau de jeu. Parfois, je pense que ce n'est jamais terminé en fait. On ne fait que continuer ce qu'on a commencé depuis le début de ce mandat. Place désormais au championnat provincial dans toutes les catégories pour l'émulation de la balle orange dans la province de l'Estuaire.